Dans le lac de Neuchâtel, une conduite sous lacustre en acier soudé a été posée. Cette première européenne était une nécessité. La ville d'Yverdon-les-Bains peut aujourd'hui se targuer d'avoir relevé ce défi technique, garantir à la population la sécurité d'approvisionnement en eau potable. En regardant autour de soi, difficile d'imaginer l'ampleur des travaux qui ont été entrepris sur ce site il y a juste une année. Tout est en ordre et les dernières mesures compensatoires écologiques ont été effectuées. La remise en état du lieu, au plus proche de l'état initial, peut être considérée comme réussie. Pourtant, c'est ici que des travaux titanesques ont été exécutés. Mais également au bord de la Thielle, au port de Grandson et sous le lac de Neuchâtel. Ces divers chantiers ont été nécessaires à la réalisation d'une conduite d'eau potable d'une longueur de 1,7 km entre Grandson et Yverdon-les-Bains. Le but, assurer la sécurité d'approvisionnement en eau de la ville et des communes avoisinantes. Le réseau existant comportait un point faible. Sur plus d'un kilomètre et demi, le seul vecteur d'eau potable, côté Grandson, était une conduite en acier construite peu après 1940. Située sur l'axe Grandson-Yverdon-les-Bains, elle menaçait de se rompre à cause notamment de la corrosion. Il fallait également finaliser la conduite de doublage partiellement construite à la fin des années 60. Mais avant de passer à l'action, durant plusieurs années, le service des énergies yverdonnois travaille, entouré d'experts, pour trouver la meilleure solution. Quelle invention, quel modèle pouvait minimiser les impacts d'un tel chantier? Comment contourner les difficultés techniques, urbanistiques et environnementales? Il en faut plus pour démotiver le service des énergies. Études, plans, tracés, les heures de travail sur le sujet s'enchaînent. Après maintes réflexions, diverses solutions sont envisagées. Enfin, en 2010, le but semble près d'être atteint. Trois variantes concrètes sont étudiées et proposées au service de l'État. Un tracé sous lacustre et deux tracés terrestres, dont un en lisière de forêt et l'autre à travers champs. Les coûts varient entre 3 et près de 5 millions. Le projet doit également s'intégrer dans la vision des plans directeurs de distribution d'eau qui prévoit que toutes les communes et associations harmonisent leur distribution. Il doit aussi tenir compte d'autres paramètres et pallier à des contraintes de différents ordres. Depuis que la station de pompage au lac a été construite à Grandson en 1943, la situation a bien changé. À cette époque, elle desservait 11 500 habitants. Aujourd'hui, ils sont plus de 30 000 à être reliés au réseau existant. Depuis, l'utilisation du bord du lac s'est accrue, l'urbanisation a progressé et les préoccupations environnementales sont à l'ordre du jour. Fin 2010, le tracé sous lacustre obtient l'aval des autorités communales, puis à l'automne 2011, celui des instances cantonales. La conduite sera construite entre le port de Grandson et l'entrée de la ville d'Yverdon-les-Bains. Installée le long du port, enfouie sous le fond du lac, elle rejoindra la tête du lac à l'embouchure du bai. Elle poursuivra ensuite son chemin par la rive droite du bai jusqu'au point de jonction avec le réseau existant à la rue des Prés du Lac. Les travaux débutent au bord de la Thielle en janvier 2012. Après avoir traversé la ville, des camions débarquent le long de la rivière. À bord, des tubes de 12 mètres. Ils sont déchargés, assemblés, soudés pour former des tronçons de 108 mètres. Puis ils sont contrôlés par des experts certifiés.
l'absence de vent, une embarcation de travail vient chercher ces tronçons remplis d'air pour ensuite les remorquer au large où ils seront soudés les uns aux autres, coulés en fond de souille et ancrés. Les conditions atmosphériques sont particulièrement hostiles. Froid perçant, formation d'une épaisse couche de glace sous l'effet de la bise. Vision féerique pour les passants, mais conditions de travail extrêmement difficiles pour les ouvriers. Il fait près de moins 20 degrés. Le chantier doit être arrêté sur tous les sites, exclu de garantir un travail de qualité dans ces conditions de météo polaire. Pourtant, les délais doivent être respectés. Ces délais d'exécution des travaux sont en effet très courts, et se résume à quelques mois. Le but, respecter l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau. Cette partie du lac doit aussi être rendue à la navigation pour les beaux jours et les régates. Retour du beau, c'est avec d'autant plus de rapidité que les travaux reprennent. Les hommes forent la base du mur du quai pour recevoir la nouvelle conduite sous la custre. Il faut œuvrer avec doigté. Le mur ne doit en aucun cas être endommagé. Le travail est considérable, compliqué par la présence de molasses. La foreuse bute. Les hommes s'acharnent et enfin, dans la grande fosse appelée « cellule de départ », un pousse-tube introduit une gaine d'acier dans la fondation du mur. À 6 mètres au fond de la cellule de départ, un système est installé permettant de treuiller la conduite dans la gaine en acier. Un plongeur oriente les ouvriers pour que la conduite soit parfaitement alignée et passe sans accroc dans la gaine qui offre que quelques millimètres de jeu. Le baie est un périmètre d'intervention qui comprend différents éléments de grande valeur. Pour preuve, il est inscrit dans l'inventaire des monuments naturels et des sites du canton de Vaud. Parallèlement au chantier de Grandson, une entreprise de génie civil y entame des travaux terrestres. La conduite sera enterrée le long du canal. Une fouille est ouverte pour permettre le raccordement entre le lac et la terre. À l'embouchure, un tronçon est laissé fermé pour former un barrage. La fouille est d'une profondeur inhabituelle, jusqu'à 4,50 m. Ceci permet de respecter l'espace de liberté du cours d'eau si un jour sa renaturation doit être faite. À cet endroit, le terrain est saturé d'eau. Des infiltrations menacent d'effondrement les parois de la fouille. Il faut donc procéder à un renforcement. Une entreprise spécialisée est mandatée pour enfoncer par vibration dans le sol des pales planches en acier. Ces lames métalliques accrochées les unes aux autres garantiront la sécurité des différents intervenants. Les tronçons de 48 mètres sont soudés à l'extérieur puis assemblés en fond de fouille pour limiter la présence du soudeur à cette profondeur. La précision des machinistes pour la pose et l'emboîtement des tronçons force le respect. Bravo.
C'est une drague aspirante, tout droit venue de Hollande, qui va se charger de créer une tranchée appelée souille sur le fond du lac. De grandes béquilles lui permettent de rester fixée à un endroit précis. Un long bras est plongé dans l'eau, au bout duquel une fraise tournante creuse la souille. Les deux opérateurs hollandais, aux commandes, à l'aide d'un GPS de géomètre, dirigent ce bras au centimètre près. Puis les sédiments sont rejetés latéralement, 30 mètres plus loin, pour former un talus qui sera réutilisé pour recouvrir la conduite une fois ancrée dans la souille. Cette technique permet de garantir que la conduite ne soit pas altérée par les forts courants d'eau qui balaient régulièrement le fond des zones lacustres peu profondes. Vers l'entrée du port, la souille est creusée à 7 mètres de la surface. À l'autre extrémité, à un peu plus de 1 mètre au-dessous du fond du lac. La qualité des matériaux d'excavation ne facilite pas le travail d'aspiration. Mais une fois encore, le défi est relevé. La souille est creusée. J'ai donc le plaisir de vous accueillir à cette visite de chantier très particulière puisqu'elle a lieu sur l'eau, ce qui n'est pas banal, vous en conviendrez. Mais il faut préciser que la pose d'une conduite d'adduction sous lacustre en acier soudé n'est pas banale non plus, comme les techniciens qui vont me succéder vont vous l'expliquer. Il est important de se rendre compte à quel point le fait de pouvoir être approvisionné en eau est un luxe incroyable quand on sait que des centaines de millions de personnes sur cette terre n'en disposent pas. Entre 1999 et 2005, nous avons connu une succession de fuites et de dégâts qui sont apparus sur cette conduite, notamment une fuite assez grave en 99 qui nous a fait perdre plusieurs milliers de mètres cubes d'eau en 2 heures. En 2005, sur une longueur d'environ 15 mètres, nous avons dû placer 10 pièces de réparation successivement. C'était quand même un signal d'alerte assez grave. Ces deux événements nous ont incité à reconstruire une partie de la conduite sur 150 mètres, c'était des travaux d'urgence. Parallèlement, on a immédiatement demandé à la municipalité de pouvoir engager l'étude pour doubler cette conduite, ce que nous faisons actuellement. Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir se déplacer gentiment vers Grandson. Si on prend le sens de circulation de l'eau, puisque moi mon idée c'est de vous expliquer comment se passe le chantier en ce moment, on se raccorde effectivement à Grandson dans la chambre de vanne qui est existante. Et on longe ce baie pour se reprendre à nouveau sur les conduites existantes derrière la fourrière. Vous pourrez observer le baie dont on ne va pas s'approcher pour des questions de profondeur d'eau. Et puis on va se rendre en direction de Grandson où actuellement se réalise vraiment le travail de soudure, c'est-à-dire qu'à la sortie de Grandson, on était sur le conduit rectiligne, on pose un coude qui nous permet d'amorcer la courbe en direction du baie. On va faire une protection cathodique active, c'est-à-dire qu'on met un couvre dans le bout de la conduite de Grandson qui va jusqu'à l'autre bout de la conduite. Et puis, au lieu que ce soit le tube qui a couru vagabond, qui va s'user et se corroder, ça va être ce qu'on appelle des anodes sacrificielles qui vont se bouffer, etc., se détruire petit à petit, et qu'on va changer tous les 5 ans. Embarcations de travail, barges et dragues aspirantes se partagent les flots. Les jours de bise, rien ne peut être fait. Le fond du lac étant près de la surface, de grosses vagues se forment excluant toute action. L'embarcation de travail qui tire par flottaison les tronçons assemblés au bord de la tielle avance le long de la barge d'assemblage. Elle se place en parallèle de celle-ci. Deux béquilles sont plongées dans les profondeurs pour éviter que la barge dérive ou chavire. À l'aide de vérins hydrauliques, l'avant du premier tronçon est parfaitement aligné à l'arrière du deuxième.
puis ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Un soudeur est à l'intérieur d'un bac en partie immergé. Les tronçons sont donc soudés au sec et contrôlés par un spécialiste. Puis ils sont coulés en remplaçant l'air par de l'eau potable. Au final, 13 soudures sur le lac seront nécessaires à la formation complète de la conduite jusqu'à l'embouchure du baie. La conduite, faite d'un tube en acier enrobé de mortier de ciment, est protégée contre la corrosion par une méthode dite cathodique active. La pose en S d'une conduite d'adduction d'eau potable sous lacustre est loin d'être banale, surtout lorsque cette conduite est soudée bout à bout. Généralement, cette technique est réservée aux travaux en mer pour la pose de gazoduc ou d'oléoduc. D'un diamètre de 500 mm, elle permet un débit d'eau de 16 000 litres par minute à une vitesse de 1,4 m par seconde, largement de quoi couvrir la consommation quotidienne des citoyens et, en cas de besoin, d'assurer la défense incendie à long terme. Jamais en Europe une telle méthode de pose n'avait été utilisée pour le transport d'eau potable. Un ouvrage de cette nature nécessite des moyens et des matériaux particuliers, un travail complexe et extraordinaire. À bord d'une petite barge, une énorme visseuse hydraulique est montée sur une grue. Lorsque les conditions sont optimales, on voit jusqu'à 4 mètres de profond. Muni d'un scaphandre à intercom, le plongeur est en contact constant avec la surface. Parfois, il faut travailler à tâtons, avec une visibilité de quelques centimètres seulement. Il doit exécuter des actions sensibles et précises. L'expérience et le savoir-faire guident le professionnel aquatique. Il fait le bon geste au bon moment. Le plongeur guide la visseuse. Grâce à un système de double oméga, il commande lui-même l'enfoncement des deux ancres. Au fur et à mesure que le travail s'exécute, le serpent formé par la conduite avance sous les flots, direction le canal du baie. Voilà, super, ça fait idée. Fin du printemps, c'est ici, au baie, que s'arrête le travail sous lacustre.
Ici aussi que les 300 derniers mètres de conduite ont été posés durant l'hiver jusqu'au point de raccordement sur le réseau d'Yverdon-les-Bains. Fin juin, la dernière étape peut être exécutée. La conduite est raccordée de part et d'autre au réseau existant, nécessitant une interruption coordonnée de l'alimentation de la ville. À l'été 2012, après 6 mois d'un travail sensible et acharné, un bilan peut être tiré. Interlocuteurs multiples aux intérêts divergents satisfaits, respect total des zones protégées et des oiseaux migrateurs, travaux effectués dans les délais à quelques jours près, budget respecté. En résumé, un chantier sur 4 sites éloignés, coordonnés d'une main de maître. Grâce à la réalisation de cet extraordinaire projet, des dizaines de milliers de consommateurs peuvent sereinement continuer à faire un geste simple et banal, ouvrir un robinet et jouir d'une eau d'excellente qualité. L'objectif du service des énergies d'Yverdon-les-Bains est atteint. L'alimentation du réseau d'eau potable est aujourd'hui optimisée et garantie.